notre objectif, c'est de créer en Puisaye une nouvelle offre touristique, puisque en plus de la maison, nous allons travailler main dans la main avec le musée. Nous avons créé déjà un parcours au sein du village pour partir sur les pas de Colette. Ce parcours va faire l'objet d'un balisage en partenariat avec l'école de formation à la céramique de Saint-Amand, avec donc un balisage au sol. Avec les élèves du collège, nous sommes en train de refaire le sentier Colette qui va devenir un sentier littéraire et botanique. Notre idée, c'est vraiment de proposer aux gens d'aller passer une demi-journée, une journée, voire un week-end sur les pas de Colette en Puisaye, et donc d'ouvrir à partir de Saint-Sauveur sur des parcours thématiques qui soient liés à la nature, aux arts de la terre, bien sûr à l'histoire, puisqu'on a quand même un patrimoine dans la région qui est extrêmement riche. Nous n'avons pas de texte de Colette qui décrive ce papier peint. Nous avons l'intégralité du contenu de la bibliothèque, titre par titre. Nous savons ce qu'il y avait sur le bureau du capitaine Colette. Nous savons les mobiliers, mais nous ne savons pas ce qu'il y avait sur le mur. Vous le voyez donc au sol, c'est quelques-uns des fragments qui ont été retrouvés sous les papiers peints d'origine. Colette le décrit, elle décrit le papier peint à bleuet, perlé de gris. Il faut imaginer que le fabricant a refait une forme en bois et que le papier est réimprimé couleur par couleur sur cette forme en bois jusqu'à former un lait. En 1922, Colette comprend pour la première fois le lien indestructible qu'elle entretient avec cette maison. Finalement, c'est là qu'elle est née et c'est là qu'elle restera toujours, même si elle fut une vagabonde et amoureuse et sentimentale et qu'elle eut par ailleurs beaucoup d'autres maisons. Mais elle sait que la vérité de son existence se situe dans cette maison et qu'en dehors, c'est le danger, c'est la solitude et qu'il faut revenir toujours ici, comme ces héroïnes qui d'ailleurs toujours reviennent vers leur maison natale, pour vraiment être soi-même. Prendre le chemin du retour, dit-elle, c'est tendre vers l'achevé. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, grâce aussi à votre soutien, en rendant à Colette une fois pour toutes cette maison, en la rendant à la Puisaye et à la Bourgogne. Depuis 2014, nous avons créé une fondation, créée à l'école de Champagne-Bourgogne, pour venir compléter notre activité de banquier-assureur en accompagnant tous les projets qui peuvent naître sur notre territoire. Les gens du Crédit Agricole en plein développement se sont dit qu'il était très important de préserver, de mettre en valeur le patrimoine et que ce patrimoine était une ressource. À l'époque, les gens pensaient que le patrimoine c'était le Louvre, la Tour Eiffel, mais non, au Crédit Agricole, ils ont toujours pensé qu'il fallait absolument préserver le patrimoine et qu'à partir de ce patrimoine, on allait pouvoir développer localement. Et merci encore à vous pour tout ce que vous faites et pour ce que vous allez faire, parce que vous êtes pas en zéro, vous êtes en cinq, mais restez.